Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet sexy. Ouais. Comment rendre un actif passif? Et on parle un peu d'expérience parce que on n'a pas toujours envie. On a beau se dire qu'on est versatile, hein. On peut pas faire être actif. Ouais. Alors, pourtant, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais c'est plus de boulot. Alors, voilà nos conseils, ouais. nos petits trucs et astuces. Donc déjà, ne pas en parler. Faut pas lui laisser le choix. Il faut pas qu'il stresse d'avance en disant non, mais je peux faire ça, je sais pas quoi. Il faut que les choses viennent petit à petit. On fait comme s'il était passif. Voilà. Pas vraiment laisser le choix. Il faut montrer qu'on veut de lui. Ah, il faut vraiment l'exciter. Hein, voilà, faut l'exciter hein, pour qu'il ait envie d'écarter les cuisses. Donc faut lui donner de la passion, comme ouais. ça. Ouh. Ouais. Voilà. Un bon plan, quoi. Voilà, un bon plan. Faites un bon coup. Non mais lui caresser entre les cuisses, enfin, oui, voilà. Oui, plus de caresses, faut vraiment réactiver ses sens. Je sais pas si je vais servir dans cette vidéo. Ouais, moi aussi je suis super dur. On va faire une X-Tube après. Qui va être passif du coup. Ensuite faut genre par exemple le mettre en 69, ouais. Mais avec, mais le mettre lui par-dessus. Par-dessus, avec du coup son petit cul à l'air. Ouais. Et puis bah qu'on peut commencer à caresser. Oui, ah, il faut réactiver cette zone-là, voilà. Donner envie, il faut que ça vienne de lui, il faut que ça vienne de l'intérieur. Ouais, il faut le point G, il est par là, hein, donc oui, ça doit venir. Hein. Même pour les actifs, il est là. Ouais, même pour les hétéros aussi. Oui. Après, il y a forcément, il faut le mettre un petit peu sur le ventre. Ouais, et lui lécher... l'anus. Parce que c'est pas un truc, c'est pour tout le monde, hein. Lécher l'anus, c'est pas que pour les passifs. Même les hétéros hein, peuvent le faire, hein. La fleur de rose, c'est... Et c'est bon. Ouais. C'est vraiment bon. Ouais, étonnamment. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin d'y mettre sa langue à fond. Hein. Non, mais étonnamment, c'est une zone qui est super érogène et c'est vraiment très bon. Par contre, je l'aurais jamais pensé avant de l'essayer. Mmh. Donc, ouais, ça j'aime ça. Et c'est vrai que bah, ça aide quand même à ouvrir un peu. À ouvrir ses chakras. Puis à lubrifier aussi. Ouais. Après, on peut se frotter un petit peu contre son anus. Ouais. Donc bah, ça, forcément, là, il commence peut-être à comprendre. Oui, donc faut y aller doucement, faut y aller par étapes. Ouais. Parce que bon, si d'un coup on lui met une aubergine juste devant la rondelle. Ouais, faut qu'on fasse. Ouais, allez, viens. Viens que je te bosse. Allez, viens, salope. Tu la veux, hein? Ah non, ouais, parce que s'il est pas passif, il va pas forcément aimer se sentir dominé. Voilà. Non. C'est pas, ça va pas forcément ensemble, donc il faut y aller plus doucement. Voilà. Juste que dans un vraiment bon coup, un bon plan sexe bien chaud, et hop. On se laisse emporter. Puis bah, commencer après par rentrer par petits morceaux. Là, quand on se frotte, là, on rentre un petit bout, un petit bout. Pas forcément doigté, du coup. Hein. Non. Je pense qu'il faut aller directement avec, ouais, avec la bite. Son mangeant. Ouais. Moi, j'aime pas non plus le doigt. Ouais. Parce que c'est moins agréable. Ouais, ouais. Ça fait plus mal. Non ouais. Étonnamment. Je sais pas. Voilà. Et donc, si vous avez bien travaillé, vous êtes un peu chanceux et que l'autre est quand même un petit peu ouvert à ça. Voilà. Là, vous pouvez vous amuser. Vous allez peut-être réussir. Voilà. À changer le sens, à changer le cours des choses. Voilà, donc c'était nos petits conseils pour réussir à rendre un actif passif. Dites-nous dans les commentaires si ça marche pour vous, si vous avez d'autres conseils, voilà, en dehors des drogues et de l'alcool, hein. Des choses plus naturelles. Ah, c'est vrai que Nico, quand tu bois, oui, c'est plus facile. Nico, il est ouf, moi, c'est pratique aussi. Ouais. Voilà, donc souscrivez à la chaîne, mettez des commentaires, likez la vidéo, et puis on vous fait bisous bisous. Mmh.